Ça va, je descends dans le hall. Et allez, sois gentil, le temps que je revienne. Tu veux bien tenir compagnie à Meredith, hein? Merci. Aline, Aline! Oui? Comment tu me trouves? Je suis présentable, ça va? Pas trop vieux? T'es d'enfer, papa, je n'ai d'enfer. Papa? Tu devais pas tenir compagnie à Meredith? Qui, moi? Oui. Oh, oh, oui, oui, c'est vrai, oui. En fait, je la cherchais, là, tu vois. Je suis contente de te voir, papa. Moi aussi, je suis contente de te voir, Crapule. Chouette, ta tenue. Ah, oh, merci. Bon, monte vite, ma puce. Allez. Jamais, plus jamais, la la la. Papa et moi. Jamais, plus jamais. Tu n'as pas vu ton père? C'est à moi que vous parlez. Tu es qui, Robert De Niro? Évidemment que c'est à toi. Oh, Meredith. Oui, je viens de le croiser. Bon, et alors? Où allait-il? Il est parti de ce côté-là, je crois. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Oh, pour rien, pour rien. Je vous trouve vraiment très jolie. C'est tout. Ne me dis pas que tu as enterré l'âge de guerre et décidé d'être gentille avec moi. Si tu vois ton père, dis-lui qu'il est en retard et que je l'attends. Vos désirs sont des ordres, Cruella. Et voilà. Ça devrait vous remettre d'aplomb. Ne me demandez pas ce qu'il y a dedans. D'accord. À la santé de... À la vôtre. En vous souhaitant une vie moins compliquée que la mienne. Merci. Martini Dry, s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser. Je crois que je viens de boire du chlore. Voici votre martini et votre note, mademoiselle James. Merci. Vous êtes Elizabeth James? Touchée. Oh! Hier, j'ai vu une de vos robes de mariée dans Vogue et j'en suis tombée littéralement amoureuse. Je vous ai envoyé un fax, on m'a dit que vous étiez à l'étranger et que vous ne pourriez peut-être pas refaire la même. Oh, c'est incroyable! C'est le destin! Je suis Meredith Blake. Ah, enchantée.